Bonsoir, bonsoir, c'est le week-end enfin, hop, le pire du jeu. Ça va être un stream court ce soir, hein, 2 heures de stream seulement, puisque 21h, il y a le match de foot que j'ai envie de regarder. Hein. Une fois la France éliminée, je m'en désintéresserai, mais tant qu'elle est en course, je vais regarder au moins les matchs d'équipe de France. Du coup, alors on a été appelé à l'aide par notre camarade le roi de Norvège qui nous doit tout son royaume, évidemment. Et du coup, il se fait attaquer par lui. Donc il y en avait deux en interne après. Du coup, c'est qui lui? Ouais, c'est lui, le grand attaquant. Il a appelé l'Écosse à l'aide. Il y a lui aussi qui est dans la révolte, et c'est tout. Donc nous, on défend le roi de Norvège. Et 1797 hommes. Je sais pas où il est. Est-ce qu'on voit du bleu quelque part? Bizarre de ne pas savoir où il est. Même s'il n'avait pas levé ses armées, ça fait au bout de 20 jours, ses armées doivent bien être quelque part. Hein. Enfin bref, moi j'ai levé mes armées. Et j'aurais dit d'aller attaquer la capitale du vilain. Ça va nous coûter des sous en voyage. Ouais, 66 pièces d'or pour cette guerre déjà. On a lancé ce complot pour essayer d'avoir la revendication, sachant qu'on ne peut pas rejoindre de faction pendant encore combien? 8 ans? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est fait. Et de créer ou rejoindre une faction contre un allié. Ah, c'est vrai que c'est un allié en plus. Voilà, assassiner, en fait, déjà. Non. Donc faisons ça, là. Pardon. Et du coup, mon conseil, lui, c'est bon dans 3 mois. 9 ans pour avoir une revendication. Pourquoi c'est aussi long? 9 ans. Rien du tout, tu n'as rien raté, j'ai à peine lancé. J'avais pas vu que c'était 9 ans la revendication sur ce truc-là. Oui, c'est un petit peu long. Vache. Bon, on va faire 100, hein. Pis. Hop. Je mets quelques points. Comment tu vas, Tiboui? Est-ce que la journée s'est bien passée? C'est enfin le week-end. Là, t'as rien raté, j'ai juste fait des mariages, levé mon armée pour leur dire d'aller attaquer... la capitale de celui qui attaque le roi de Norvège. Comme je disais, ce sera un stream de 2 heures uniquement. Ça, je vais aller regarder les matchs de foot. Bon. Journée de merde. Mince. Bah au moins, j'espère que le week-end sera mieux pour équilibrer. Donc, j'ai rien d'autre en cours. Je suis en train de voyager. Voilà, on va choper des points d'XP. Là, il passe bien partout. Après, il va là. J'espère. J'ai rajouté quelques petites étapes. Je lui ai dit de passer là en plus. Et là également, j'espère que ça ne va pas faire un voyage trop long. Qu'il ne va pas me dire ah oui, mais on a faim. On n'a pas pris assez à manger. On verra. Dans tous les cas, je suis bloqué pendant 8 ans. Je ne peux pas faire de faction. Enfin, 8 ans avant de pouvoir tenter le royaume. Voilà. Mariage par-ci par-là. Je ne vais même pas avoir organisé autant de mariages que ça. Donc. Tu es passé à côté, t'as pas. Ah, mais toi, qu'est-ce qu'il foutait là en fait le. C'est la Norvège ça? Mais qu'est-ce que tu foutais là? Pourquoi t'étais là? Je l'avais appelé à l'aide pour ma guerre à moi, sans doute, et il n'avait pas dissous ses armées. Ah oui, moi c'est con pour toi ça. Vu que j'étais en vitesse lente. Hop, petit point de diplomatie. Alors je ne prends pas patriarche parce que il y a de la fécondité en plus et que je ne cherche pas à avoir plus de fécondité à aucun moment. Prestige mensuel par rentabilité. J'ai de la rentabilité. Non, j'ai pas de rentabilité. Prestige mensuel par chevalier. Prestige mensuel par vassal puissant au conseil. Alors des chevaliers, j'en ai 10, donc ça ferait 10%. Des vassaux puissants au conseil. J'en ai qu'un. Ok. Bon. On va prendre celui-là. Et bon, faire de grosses différences. Hop. Les enfants pas dit ainsi, ouais, mais
quand tu fais des enfants, voilà, là on est jeune, mon épouse elle a le temps de faire encore des gosses à 19 ans. J'ai déjà une héritière au pire si j'ai pas de fils. Mais après avoir trop d'enfants, quant à la haute partition, enfin la primogéniture, ouais, alors là tu peux faire autant de gosses que tu veux, mais là, je cherche pas tout de suite à avoir plus de gosses. Il y en a déjà bien assez dans la dynastie des gosses là. Au final, en quoi, 3 générations, on a fait un bel arbre parce qu'on a commencé. C'est qui que je faisais au début? Attendez, moi je suis là. Bah c'est lui, hein. Bon, ouais, c'est ça, donc on commence avec lui. Donc en partant de lui, déjà, il y a eu des gamins. Hein. Sur les branches à proximité, il n'y a que elle qui a survécu, là. Il n'y a que Adélaïde dans la branche... au niveau du frangin, il n'y a que elle qui a survécu. Ah, et en plus, elle est enceinte, donc ça, voilà, c'est bien. Alors, un enfant du chez Dubrovnina. 3 visionnages de suite, félicitations. Après d'avoir les Luxembourg qui doivent être au loin, hein, donc là ouais, les Carolingiens, donc c'est Karl, bon, Charles Martel, du coup, hein, l'empereur Pépin et Charlemagne. Voilà, en dessous de Charlemagne, tous les Carolingiens ont disparu les uns après les autres. Il n'y a plus que nous. Après, il y a une. Il y en a qui ont fait une autre maison aussi, là. Celui qui est allé en Pannonie, là. On le voit pas. Ah, faut peut-être descendre ces trucs-là. Ouais, c'est pas lui. Ouais, c'est ça, le roi Pierre. Donc ça, c'est... Carolingien, mais il a fait une nouvelle maison, puisqu'il est devenu indépendant. Voilà, il y a aussi eux, là, qui sont de la dynastie, qui descendent de mon premier perso. Ah, lui, il a bien pondu des gosses, lui. Il a fait le job. Ils sont tous réunis ici. Je me suis pas intéressé à un chameau, là, je vous promets. Mais à chaque fois, elle me file rien. Donc, j'ai eu cet event, c'était de la merde. Ah, il y a encore une branche cadette. Ah, mais c'est le roi en plus, celui que j'ai foutu sur le trône, il a créé une branche cadette. Ah bah dis donc. Alors, c'est dans quel pays ça? Bah, ok. Duché d'Auvergne. Maladie de Cupidon. Ah non, c'est la grande vérole qu'elle a. Ah oui, d'accord, t'es en train de crever en fait. Faire chanter. Du coup, avant que tu meurs, tu vas me donner des sous. C'est très bien. Faire un siège ici, c'est une très bonne idée. Alors, parcours expérimenté, je suis au maximum ou pas? Ouais, moi ouais, ça lui, hein. Ça, c'est mon maître caravanier. Lui, par contre, il en est où de son voyage? Enfin, de sa compétence, plutôt. Alors, expérimenté, il manque encore un tout petit peu. Donc, 15. Pour être un voyageur expérimenté. Bon bah vous faites des sièges un peu n'importe où, très bien. J'ai un point d'érudition. Alors du coup, je complète cet arbre. Et c'est peut-être le moment de changer de mode de vie. En disant, vas-y, je suis jeune, je peux me mettre 5 ans sur l'intrigue, histoire de juste pouvoir avoir le truc pour torturer les gens là. Et de l'intrigue et de la prouesse. Ce serait mettre 5 ans là-dessus. Ou sinon, si je reste sur cet arbre-là, c'est carrément viser tout l'arbre. Hein, donc, on peut se dire, on va viser l'arbre un peu plus tard, mais là, juste, on va viser un peu l'intrigue. Là, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Martialité, bon, c'est toujours bien d'avoir des trucs. L'intendance, pareil. Peut-être mes voyages me suffiront pour avoir ce point-là. Non, bah, il va pour l'intrigue.
Régulier. Acceptation d'agent plus 10, l'intrigue plus 3. C'est soit celui-là que je prends. La rentabilité naturelle me donnera plus de prestige. Je disais que j'en manquais de rentabilité, voilà. Ben plus 30. Allez, je vais prendre ça. Allez. 5 ans d'intrigue. Et je vais, par contre, je vais pas visiter l'université. Donc je vais pas gagner de points d'intrigue. Non. Vraiment. 1 pour 5 ans, quoi. Ok. Avec 26%. C'est nul. C'est nul. Ils sont de territoire, c'est ça. C'est que foncer sur eux. 6539. On va faire des sièges. Alors, j'ai eu des prisonniers. Donc. Première chose, les déplacer. Après, checker est-ce qu'ils valent quelque chose. Non. J'ai déjà un conjoint de toute manière. Ok. On a pour 6 mois. Est-ce que je vais, ouais, je vais faire le siège là-bas. Hein. Ça. Katan, ça appartient à qui? Tiens, à lui. Seigneur Lijouen, donc il n'est pas du tout dans la guerre. Je suis en train de checker c'est quoi les territoires qu'il faut que je prenne. C'est les alliés, ça compte pas, donc il faut prendre ce territoire-là, normalement. Et que si je chopais les gens de chez lui, que ça m'aurait rapporté quelque chose. Ah, ils sont dans l'armée. Et où toi? Ah, il est dans son armée, oui, donc il faudrait leur péter la gueule. Ah. Mince. Parce que je suis pas sûr d'être assez fort. Et on va attaquer sa capitale. Hein. Capitale, oui. C'est de l'autre, quoi. Alors, fiancé peut se marier. Alors là, c'est du matrilinéaire entre lui et elle. Veut-il compter de Neuchâtel? Oui. Alors, mon armée, oui. Oui, 76. Ah, il va ici. Il se déplace vers chez moi. Alors, attends, c'est quoi? Ah oui, c'est pour faire venir lui à ma cour, parce qu'il a de bons gènes, ok. Vert. Ah ouais? Le roi qui veut tuer elle, tu sais pas pourquoi. Se mettre sur la capitale. Alors, vous et votre bête, vous apprenez de manière où j'obtiens de la rentabilité. Il y a lui qui m'aime moins, mais je m'en fous, il est loin. C'est un acte de tyrannie, donc on va éviter. Ok, bah du coup, hop. Encore plus de rentabilité. Non, j'en ai pas gagné. Ah oui, parce que là, j'ai pas atteint mon niveau de base de rentabilité, donc de toute manière, ça servira à rien. La reine. On a pris un secret sur la reine. Béranger, fils de... Ah bah c'est la Adélaïde, celle qui est dans la dune branche, un petit peu éloignée de nous.
La reine, le secret là. Chanter, vas-y. Guide d'un domaine local. Et elle me paye combien elle? Tu gagnes des sous ou pas? Ah oui, tu gagnes des sous. Bah, vas-y. Paye. Où sont les autres ennemis? Ils sont... Ah, il y en a un qui a quitté la guerre carrément. Ah, ça meurt. Ah ouais, donc je peux vraiment lui péter la gueule du coup, c'est bon. Je peux aller lui péter la gueule, je fais mon siège et puis derrière je lui pète la gueule. Alors c'est qui? C'est un de mes chevaliers qui complote contre Sarrazine. On va rien dire. Bloqué encore découvert, mais bon allez, cette fois c'est bon, 90% de chance, je suis à 2 mois, t'es pas me refaire le coup quand même. On arrivera bientôt sur la France, j'obtiens beaucoup de stress. Alors, il perd l'opinion en moi, mais faire le main, vous obtenez une revendication, c'est produit. Ah oui, d'un coup, je perds 30 et encore 30 derrière. Okay. Au moins, on a notre revendication sur le trône, déjà, voilà. Bonne chose de faite. La cour, voilà. Ça arrive en combien de temps? En 12 mois, donc j'ai le temps de me faire un nouvel ami avant d'être à la maison. Où j'ai un... Bah, de toute façon, ça, oui, c'est ça. Bah, si c'est au cas où, au niveau du stress. Que là, du coup, j'ai obtenu à nouveau un truc. Conseil d'amis. Conseil d'amis, donc j'ai ces deux trucs-là. Donc j'avais obtenu de l'intendance et de l'intendance. De l'érudition. De la martialité. Et la diplomatie, ok. Très bien. La maladie, il n'y a rien là. Ouais, ça va, c'est là. Éloigné. Ah oui, je me cherche un nouvel ami, j'avais dit. Alors, hop. Porté. Un dirigeant. Chez moi, j'ai déjà 28 ici. Alors, très bon chevalier, enfin très bon au final. À portée, il n'y a pas de énormément de chevaliers. Lui, je ne peux pas l'inviter. 37 ans. Ah, on a 19 là. Hop. Voilà. Je vais péter la gueule. Avec mon siège, j'ai pas eu d'autres prisonniers. Non. Le duc, on apprend des secrets sur les gens là. Finalement, en France, il y a plein de secrets. Le roi a remplacé le comte Humbert comme serlige après avoir été installé par une faction. Hein? Quoi? J'ai même pas vu cette... Il a abandonné, en fait? Que du coup le roi a changé. Le roi a changé là. Le truc du titre, installé par demande d'une faction. C'est-à-dire qu'il y a une faction
Il a dit, vas-y, tu nous installes. Il a même pas fait la guerre, du coup. Bah écoute, moi ça va, la journée, boulot, c'était calme aujourd'hui, ça va. C'est fou ça. Le mec, il a abdiqué. Du coup, c'est qui le nouveau roi? Roi Henri III. L'ancien roi, c'était qui? Truc du titre. Donc c'était lui avant, et maintenant c'est lui. Ah bah ils ont remis le même d'avant, en fait. Donc il prend un prétendant. Et là, il y a eu un truc, et ils ont remis le mec d'avant. Putain. Vous vous cassez les couilles, C'est une dinguerie, ça. Après, au moins, lui, il est pas mon allié, mais je pourrais pas déclarer la guerre, je pense. On verra. On va pas faire de faction, mais est-ce que je pouvais faire une guerre? Au moins, ça n'est plus mon allié, déjà. Alors, rien que ça, déjà, c'est une bonne chose. Alors, j'obtiens 100 points de diplomatie, obtenez le médiateur de la suite. Voilà, ouais, on va tenter ça, avec 93% de chance. C'est de la diplomatie. On va être aidé par notre épouse. Pas grand-chose, mais... Ah! Le poste d'intendant, bah oui. De toute façon, t'as pas le choix, hein. Accepte. Donc à chaque fois, j'oublie de exiger mon poste d'avant. Mais en même temps, j'avais un hameçon en plus sur le roi précédent, non? Non, je l'avais déjà utilisé. J'ai déjà utilisé mon hameçon. Bon, bah on est à 100%, la guerre est gagnée, voilà, ça c'est fait. Hop, split en attendant de pouvoir lever ton armée. On a bien aidé notre allié. Voilà, 100% de chance. 100% de chance d'être blessé, mais... Allez, dis que la guerre est finie, là, on est prêt. Voilà. Les fiancés peuvent se marier. C'est quoi, là? Ma cousine. Avec lui. Très bien. Une petite guerre en Aquitaine. Guerre de revendication sur le duché de Gascogne. D'accord. Bon. Donc la guerre va briser la trêve. Là, je suis en trêve avec lui, parce que je lui ai fait une guerre déjà. Ah, c'est chier! Oh là là, il y a toujours un truc, hein, c'est fou. Bon. On va avoir un territoire en plus. Donc j'ai bien un de mes vassals qui va me donner un truc. Mais Toulouse, c'est un ennemi. J'ai du Sambour, c'est un ennemi. Hier, c'est chez les autres. Rouerg, c'est chez l'ennemi. Toulouse aussi. Gévaudan aussi. Anjou, c'est un vassal, donc je peux piquer l'Anjou. Ouais, comté d'Anjou. Bah si, c'est le vassal. C'est mon oncle. Ah oui, merde. Tant que je voyage, je peux pas récupérer le truc. Oh 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 oh. Oh, ça pue là. Wow wow wow, j'ai bien fait de regarder. Ok. On ne peut pas passer par là. Personnaliser l'itinéraire. Oui, c'est quoi le fer plat? Déjà, tu vas là. Ici, voilà, petit détour. Pour être sûr. Voilà. Pas choper, c'est quoi? C'est la fièvre des camps? C'est quoi? Variole de Benjamin. Donc, même là, faut pas qu'il y ait un truc. J'ai presque envie de prendre la mer pour assurer le coup, en fait. Parce que très bien, pop ici aussi. En gros, je vais dire de prendre la mer. On va enlever ça. Là. Si je vais te dire, vas-y, prends. Non, tu me fais là. Alors,
Et ici, il a dit, tu vas prendre la... Mais quoi, mais... Ah, oh, chier, Cratea, là, je pense avoir tout enlevé. Voilà. Ici, déjà, beaucoup moins de danger. Peu de risque. Voilà. Hop. Bon. On a rien de particulier, là, les prisonniers. Alors, toi, t'es pas payé pour sortir, on verra. Elle contrôle le machin, pour exiger des paiements. Ça, eux, c'était pour les utiliser dans une faction, et je ne peux pas avoir de faction. Bah, attendons d'avoir fini le voyage. Paix à Anson. 10 pièces d'or pour elle. C'est pas cher payé, hein. Où elle... Non, hein. Les complots du coup. Qu'est-ce qui a apporté là, Castille? 13 mois, ah non, c'est long. Un peu long quand même. Je suis ailleurs. Si Pologne, si longtemps je peux chercher en Pologne, je crois. 4 mois, c'est mieux. Alors, 99% d'obtenir des trucs bien, donc ouais, super. Bah, les projets, c'est qu'on est obligé d'attendre avant de pouvoir taper sur l'autre, hein, donc... Je ne peux pas conquérir de nouveaux territoires sinon mon pays est trop grand. Mais je ne peux pas taper sur le roi qui me ferait devenir... avoir le droit à plus de territoires, donc pour le coup... On est très limité pour l'instant, faut juste laisser passer le temps, et en attendant... acquérir de l'expérience par nos voyages. On est jeune, on a tout le temps devant nous. Donc, Bon, ça, ce complot est avec un gros bug, mais ça va annuler mon autre truc. Donc, malheureusement, je ne peux pas. J'en ai des fiançailles. Alors, xénophile ou cadeau des villageois. Excommunier le roi de France. Mais j'ai plus d'alliance avec lui. Puisqu'il vient de se faire déposer à celui que j'avais mis. Lui, j'ai pas d'alliance avec lui. Hein. À la guerre, c'est là j'ai une trêve avec lui. Puisque je lui avais fait la guerre pour le destituer. Il y a une faction qui l'a remis sur le trône. Demandez pardon. Demandez à vos souverains de pardonner vos crimes. Ouais, parce que du coup, il considère que j'ai fait des crimes, puisque je l'ai attaqué. On lui a redonné le titre derrière. Ah oui, ce que je disais. Une faction qui l'a remis. Hop. Ils ont remis le mec que j'ai attaqué, et du coup, bah oui, je suis un criminel pour lui. Visite d'un domaine. Mais je l'ai déjà, ça, visite d'un domaine local. Ouais, c'est ça, je viens à peine de l'avoir au mois de mai dernier. Ça a rien. Rire des imbéciles, ouais, c'est toujours bien rire des imbéciles, t'as raison. Ouais, pendant 5 ans, est-ce que, je pense que ça je l'ai déjà, mais je l'ai pour combien de temps, rire des imbéciles? Steven, je l'ai déjà eu, mais ça doit faire un petit moment déjà. Ah, je l'ai pu. Ouais, allez, on le reprend. Sinon, je peux peut-être rechercher de nouveau des secrets sur ma cour à moi.
Ourde mou. Alors ce vagabond, j'en ai rien à foutre. Je l'emprisonne. Bah oui, je vais l'emprisonner, ça me donne de la piété, voilà. Hop, c'est pas une personne à torturer en plus, je suis au moment venu. Hop, voilà, contrôle est complet, on se met comme ça. Là, faut que je rentre à la maison pour pouvoir prendre un titre à mon régent. La bouffonne est morte. J'en ai une autre qui est excellente. Mon maître espion est mort, mais j'en ai d'autres en stock. C'est qui est encore en matrilinéaire, encore pour un héritage de deux comtés. On place nos billes là, quand même, pas mal. Pour récupérer dans la dynastie des trucs. En ça, on a un roi. Bah oui, c'est vrai que du coup, on avait ce royaume-là, mais on l'a plus du coup. Et oui. Ça fait que le vassal du Berry, enfin lui, je l'avais conquis et ça n'est plus mon vassal. Du coup. Ouais, tant mieux parce que mon pays était trop grand. Si, mon maître caravanier. Tu n'es pas marié, toi? Tu as trouvé une petite. Une fille bien avec des traits héréditaires, là. Quel âge, 31. Il n'y a que les physiques avenants, là. Intelligente, ah, vive quoi. Elle aussi. Ah, ça c'est bien ça. C'est pas la bonne religion, mais c'est bien. Ah, bah allez, hein. Hop là, celle de 18 ans. Je peux marier une grecque. Allez, hop. Comme ça, j'ai des amis. Bientôt chez moi, et une fois chez moi, je pourrais courtiser mon épouse pour gagner de la renommée. Ça, faut pas être en voyage. Ceci fait, bon, est-ce que je ferai une chasse en festin? Ça retarde la cour, donc bon, on restera à la maison, je pense. Oui, on est en retard, c'est pas grave. Alors, j'ai un de mes courtisans qui est incroyant. C'est pas grave. Je suis pas à cheval sur la religion. Ça, c'était la game d'avant, quand j'étais à Satrou. Oui, là. J'étais missionné par les dieux, mais là, on s'en fout. Ok, du coup. Hop, courtisé. Alors le truc c'est... Déjà, statistique 100%. Le truc c'est si je commence à courtiser elle, et que j'apprends que j'en courtise d'autres, elle va me faire la gueule. J'aimerais bien pouvoir enchaîner les cours, justement. Peut-être courtiser une vieille. Alors, sexe femme, trié par âge. Machin, santé. Disait 100%. Je me demande ce que fait, qu'est-ce que dit ma femme si j'en courtise une autre. Chanter une balade amoureuse et un poème d'amour. Ok. Attends, parce que du coup. Il y a que quand on essaie de séduire que si on se fait choper, ça va pas quoi. Le truc pour la course c'est ici, je crois.
Ah non, galant, c'est ça. Faire la cour, visant du complot, visant à courtiser, plus 30%. Visant à épouser clandestinement, priorité du complot, priorité du complot, épouser clandestinement. Je n'ai jamais vu ce truc, épouser clandestinement. C'est peut-être sur un DLC. Ah, par contre, c'est frustrant, je suis à 900 en martialité, il me manque juste 100 points, mais sur la map, il n'y a plus rien. Juste à titre d'exemple. Hein. Sur la map, il y a des couronnes. Là, il y a un peu d'intendance, mais il n'y a plus de martialité. Hein. De dérodition, là. Non, c'est pas typique. Ouais, ouais. Plus de martialité à choper. Dur. Diplomatie. Pas besoin de plus de points, là j'ai tout ce qu'il me faut, maintenant faudrait avoir des enfants. Comme ça ils prennent préparer à régner. Après qu'ils seront assez grands, je pourrais. Ah par contre j'aurais 86 quand même. Toi, t'es à côté, je sais pas. Alors, mon vassal, l'Anjou, là, je vais récupérer. Je vais révoquer le titre. J'ai une revendication dessus. Et il est d'accord. Hop, merci pour l'Anjou. Construire. Bon, la culture française, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de bien intéressant là. Il s'est mis sur les moulins à vent, là dans 2 ans. Ça aurait été bien de compléter aussi ces trucs là, chronique. Peu appuyé pire de volant, bof. Tout ça, hein. Y a vraiment rien. Ça aurait été bien d'avoir les remparts, les bourgs fortifiés. Et non, c'est des trucs inutiles. On avance dans le temps, ça n'a rien à faire, on courtise. Mon oncle, le comte Savary, a créé une faction pour installer le comte Savary. Bah putain. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, il veut des moulins. Alors, courtisé obtient un cadeau spécial. Alors, c'est 63%, 63% aussi, 69%. Mais je risque de perdre de l'argent. C'est quoi? Probabilité de réussite, je suis déjà à 100%. Je vais pas prendre le moindre risque, hein. Hop. Un secret d'inceste de Mathilde von Luxembourg. Ah ouais. Ah, t'en as du pognon, toi. T'as eu des titres à une époque. Ah oui. Ah ouais, d'accord, elle a perdu tous ses titres d'un coup. Ah ouais, coup dur. Paiement, c'est que 10 pièces d'or. Votre prisonnier tombe malade, consomption. Ah oui. Pourtant, ils sont bien traités, les prisonniers, hein, tous en résidence surveillée. Il y a un morceau de France. J'ai appris un secret sur elle. C'est mon épouse qui a... Tentative de meurtre de mon épouse. Ah oui, quand même. Rien que ça, quoi.
Bon, pèlerin, on est au max. Chasseur, on a un tout petit truc. Ici, c'est ok. Ouais, quand même, hein. Moi, je vais pas payer. Et Frost qui m'apprécie un peu plus. Caradoc. Une orchidée, obtient le trait blessé. Non, bah, juste ce truc-là, voilà. Il y en a un qui obtient 10 d'opinion vers moi. Alors, non. Magnus, ça va me traîner pour craindre d'affecter un grand nombre de personnes coupables de là, en finant cachot. Magnus, mon prisonnier. Non, une petite série de corps, hein. Je vais pas faire les trucs de tyrannie, tous doivent me craindre. Ah ouais, d'accord, c'est. Pour obtenir 300 points d'intrigue, je bute tous mes prisonniers, quoi. C'est violent, 7 d'opinion. Ouais, ça, c'est pour obtenir quelques points d'intrigue. Donc, si t'en tues un, t'as 50 points. Si t'en tues 5, t'en as 100. Et si t'en tues. Bah, ça se trouve, c'est tous, je sais pas. Mais non, non, je. On va mollo, quoi. À la fin, d'être excessif comme ça, quoi. C'est Léo Dagan dans Kaamelott, quoi. C'est. Ah, je l'ai fait cramer. Mais qui? Bah, tous. Ouais, je sais pas. La semaine dernière, j'étais pas en forme. Du coup, j'ai rattrapé le coup. Là, j'ai tous cramé. Oui, attendez. Il y avait elle aussi. Je crois qu'elle. C'est. Pas toi qui a un territoire qui est intéressant aussi. Genre Mâcon. Ouais, Mâcon, hein. Il y a 200 hommes à Mâcon. Si tu meurs, j'hérite. Par rapport à ça, ouais. Au Tonneroi et Mâcon. Peut-être faire un petit complot d'assassinat. Alors je peux. Ah ouais, après. Assassiner. 50%. Alors si j'assassine le roi de France, du coup. L'héritier. C'est lui. Merde, il a qu'un fils. Donc c'est lui qui prendrait tout. Il défend. Tu veux pour tuer le roi? Bah, les gens sont pas convaincus de l'utilité de tuer le roi. Ça m'aurait permis de plus être en phase de trêve. Les secrets sur sa cour après. Je peux récupérer ses territoires. Alors, la cousine. Hop. Et du coup, toi, Besançon. Là. Et mon régent, du coup, me. Ah, bah, du coup, c'est elle, ma régente, maintenant. Oui. Ça n'est plus lui, tant mieux. Conçu la comtesse avec un été dévoilé, vous avez perdu votre hameçon sur la duchesse Agnès. Mince. Alors le complot, obtient gentillesse, obtient gentillesse. Porte. Ah bah je suis invité chasse. 44 jours, ah mince, ça va mettre en pause mon complot, je crois. Alors, la chasse, juste ici. Bah, vas-y, hein. Hop. Hop. Commandant moyen. Je te donne des sous. Encore des points de diplomatie si on arrive à les faire faire la paix. Voilà.
Faire des fiançailles. Ok, hop. Voilà, 400. Ah bah mon complot de coups continue même quand je suis en voyage. Il faut le lancer quand on est à la maison. Mais après, c'est bon, ça... D'accord. C'est bon à savoir, ça. Que ça continue même si on n'est pas là. Il y a des trucs, ça met en pause quand on voyage. Wow, Marie. Plutôt te mettre quand même en intendance. Quoique. Pouf. On sait jamais si je l'incarne un jour. Les deux. Le truc, c'est si je l'incarne, je préfère la mettre en intendance. Donc elle a plein de territoires. Mais après, à ma cour, elle me serait plus utile en intendance. En érudition. C'est dur de choisir. On va dire érudition. À partir du principe qu'on aura un fils un jour. Peut-être le prendre finalement le truc patriarche qui donne de la... Ah bah putain, mais qu'il y a une blague! Putain, mais à un mois près maintenant, mais il n'y a rien qui va dans cette game, c'est une dinguerie! Putain, vous êtes sérieux? Mais dès que je fais un truc, je me fais baiser la gueule juste à la dernière seconde à chaque fois. Putain, le complot de la dernière fois... Pour le titre, c'est pareil, je me suis fait niquer. Mon perso qui meurt, que le perso d'avant quand il a 30 ans. Non mais c'est fou à ce niveau-là. Putain, mais c'est une dinguerie. Et puis du coup, bah je peux pas actuellement parce que je suis en voyage. Putain, mais le temps qu'ils me font perdre, c'est incroyable. Franchement, j'ai jamais eu une game comme ça. Alors là, c'est 300, ah, c'est 300 points d'érudition. Il n'y avait pas un truc qui donnait de l'intrigue, mince. Là, c'est de l'érudition. Donc, je prends un peu de stress, mais 300 points d'érudition. Bon, dans l'immédiat, j'ai pas besoin d'érudition, mais si un jour je veux m'y remettre, 300 points quand même. Montez sur votre cheval. Je m'en fous que la probabilité de réussite, c'est pas ma chasse à moi. Donc, stop, guerre médicinale pendant 5 ans. Résistance, retire le roi de l'activité, donc il va m'émeut encore moins. On va peut-être éviter. Hein. Allez, je vais prendre ça. En érudition. Il me semble qu'il y avait un truc, ça donnait de l'intrigue. Une chasse. Acculer le cerf, c'est dangereux ça. On va voir qui va me tuer ce con. Ah, l'intrigue. Ok. Attends, évident, on en prend, hein. Voilà. C'est un échec. Je perds mon stress, ça c'est bien. Vous avez obtenu le trait chasseur, mais je l'avais déjà. Déjà le trait chasseur. Qu'est-ce que vous me racontez là? Non, travail manuel, c'est pour moi. Voilà, bon, bah on peut reprendre de nouveau courtiser du coup, hein. Bon, je retente même si elle est vieille. J'espère qu'elle va tenir un an. C'est qui ma régente? Mère, ah d'accord. C'est moment. C'est pas elle que j'avais remariée avec un jeune, hein. C'était la mère d'avant, je crois. Non? Je sais plus. Mon maître caravanier, c'était mon maître caravanier, c'est simple. Maître caravanier, c'est lui que j'ai marié à qui? À elle, ma grand-mère, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
avec le perso d'avant. Du coup, j'ai remarié une beaucoup plus jeune cette fois. Peut-être s'occuper des gens qui n'ont pas la même religion. Non catholique. Ouais, du monde. Du coup, toi. Pas d'accord. Si, toi. Maître espion. Ah, attendez. Mince. Lui, vaut mieux pas qu'il se convertisse parce qu'il aura des problèmes dans son pays plus tard. Pareil pour toi. Bah après, là, c'est les enfants qui auront... Ça revient au même, hein, bah. Tant pis, ça va leur créer des soucis, mais voilà, hein, ça m'évite d'avoir quelqu'un qui a pas la bonne religion chez moi, mais de toute manière, vu que c'est en matrilinéaire, bon, oh, vas-y, non, vas-y, on le laisse comme ça. On verra. Votre parent, votre connaissance... Les alliés peuvent être sonnés. Avec tous mes alliés, ça m'étonne qu'il n'y en ait aucun qui me demande de l'aide. Ok. Oui, c'était chez elle où je voulais chercher secret, il a rien trouvé du coup. Merde. Où est l'assassiné? Ouais, maître espion, tu coûtes cher. Ça va, hop, voilà. Là, ma trêve avec le roi de France, combien de temps encore? 2 ans, faut que j'attende le 7 août de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Activité. Destin, pèlerinage. Aussi, hein. Du coup, on a, voilà, il y a 200 points d'intrigue. Deux ans devant moi. Après, j'ai vu qu'il y avait quand même une maladie dans le coin. Ici, là. La date de quand? Ça vient de démarrer. C'est fou, c'est comme s'il disait dans mon esprit à chaque fois, tiens, tu veux aller par là? On va te foutre des trucs des merdes. Ouais, c'est ça, elle était vraiment juste derrière moi, l'IA. Hein. Là, ça ne fait plus aucun doute, c'est pas possible autrement, c'est la seule explication logique. Alors après, Algaba, je fais ça. Oula, danger par là. Du coup, tac, ici. Le désert, déjà ça enlève des dangers. Ok. 14%, 17%, 21%, ok. Ah, attendez, déjà. Où vais-je aller? Je vais choper ça. Ah, trop long. De peu, mais trop long.
Nage. Dommage, vraiment, on passe pas loin, il y a deux jours près, c'est pas bon. Bon, est-ce qu'on le fait, ce voyage? Là, du coup, de nouveau, on n'a pas d'enfant avec nous, hein. On part 2 ans, donc c'est pile le temps de la trêve. Je peux faire le voyage contraire en me disant, bah, comme ça je fais un voyage aller qui est long. Ça m'apportera plus de piété. C'est plus logique comme ça, mais quitte. Si je pars du principe que je ne peux pas faire de guerre parce que mon pays est trop grand. Le royaume, je suis à 30. De toute manière, je ne peux pas enclencher de guerre. On attend, je vais faire le pèlerinage dans l'autre sens, et comme ça, à mon retour, pour attaquer la France. On va faire ça. Mais du coup, c'est le voyage aller que je fais. Tac, donc. Vous. Vers mon doigt. Donc, j'allais jusqu'où? Ouais, je passais par là. Ensuite, j'allais ici. Et juste au retour, je vous fais ça. Désert. Hein? Juste là où il y a du danger. On est bien d'accord, c'est la même histoire. Si j'essaie d'aller là, ça veut dire que c'est trop long. Hein. Après, Tiraka. Ah, c'est encore pire là. Ah non, c'était ici où je voulais aller, oui. Avant Joel. Ah, c'est 9 jours de trop. Il y a 9 jours de trop. Je manque un pèlerinage à Jérusalem. Je pense que je pourrais choper tout ce qui est là. Tac, tac, tac. Mmh. 9 jours de trop. Puis il n'y a rien qui va me faire gagner de la vitesse, de toute façon, même avec lui. J'abandonne ces deux trucs-là, et puis on est large, hein. Quitte à ne pas prendre un truc, autant prendre un truc, pas prendre un truc qui part ici. Genre on abandonne lui, en coup on abandonne lui. Ouais, on va abandonner lui là. Hop, voilà. On fait autant de couronnes, sauf que là moi je pars du principe que vraiment tout ce qui est à gauche, c'est pris. C'est vraiment en Afrique de l'est jusqu'au centre. Allez, appliqué, 530 pièces d'or, c'est parti. Il a fini d'augmenter le contrôle, du coup. Je vais te mettre à améliorer mes soldats, parce que tout est à 100%. Voilà. On joue. Il n'y a rien qui donne plus de soldats, non. On garde ça. Alors, mes trucs de pèlerin, qu'est-ce que j'ai? J'ai pèlerin dévoué pendant 5 ans, pèlerin laïque pendant 3, vas-y, pèlerin laïque alors. Faut-il le récit du complot personnel. Et ça, c'est... Après, oui, là, il y a quand même le pèlerinage un plus pieux. Je vais l'acheter à Tra, je le prends jamais, on s'en fout. Vas-y, je vais prendre celui-là quand même. Je déteste voyager. Vu que tu voyages beaucoup, c'est dommage, je trouve. Ah, moi je vais. Je viens chercher de la piété, là. C'est peut-être mon dernier pèlerinage. Ah, bah voilà, on m'appelle
Encore en Norvège. Et quoi cette fois? Encore un mec qui veut... Putain. C'est une dinguerie quand même le nombre de personnes qui l'attaquent lui. C'est qui lui? Attendez, c'est l'hérite, c'est le même? C'était déjà 8... C'est sa mère? Non, attends, historique du titre. Hérité. Attendez, c'était... Mais c'était déjà lui que j'ai attaqué ici la dernière fois déjà. Je règne désormais sur mon chemin. Ah non, c'est... Attends, il vient de le prendre. Historique du titre. C'est contre lui que j'avais fait la guerre, alors. Hérité par abdication. J'ai perdu... Au profit du duc, machin... J'ai perdu ma guerre de revendication. Ouais, c'est ça. C'est, putain, il y a 2 ans, j'ai déjà fait la guerre... contre un mec qui venait du même endroit, mais du coup, c'est son fils. Ah, mais je suis étonné, je pensais qu'il aurait perdu sa revendication. Mais son fils l'a quand même gardé, la revendication. Ok. Ils sont beaucoup plus nombreux, là. Ils sont 3. Guerre de revendication du duc. Après, c'est peut-être le... Ils sont déjà prêts. Allez. Eh ben, allez. On lève notre armée. Du coup. Pile au moment où j'étais enfin dispo pour ça. Alliance expirée. Le comte de Marmanis. Je sais même plus pourquoi j'avais une alliance avec lui. Attendez. Ah oui, d'accord. Ouais, je sais même plus pourquoi j'avais une alliance avec toi. Alliance expirée. Bah putain, toutes mes alliances se terminent là. Ah mais lui c'était mon oncle. Justement celui qui a été roi de France. Frappé par la goutte. Bon, bah du coup. Il y a plein qui sont là. Combien en tout? 1946. Par contre, je vais pas aller là où il y a une épidémie. Hein. Ouais, super. Super cette guerre. Attendez, parce que du coup, lui, il est où? Ah! Il est là, donc il est pas dans son armée, lui. Donc on va attaquer là où il est. Quelque chose. J'ai dit d'attaquer là. Voilà. Ils sont 3900, donc je peux pas me diviser en deux. Ce serait trop nombreux. Ma femme est enceinte. Ok. Oh putain. Ma mère qui m'a payé 585 pièces d'or. Pas mal. Ouais, je me tiens à l'écart de la maladie, là. L'épidémie, là, merci bien. La merde en Norvège, et on m'appelle à la guerre là-bas. Super. C'est l'hiver, en plus. Non. C'est trop risqué. Ah, une duchesse qui est malade. Consomption, je vais peut-être pas aller au bout pour l'héritier alors. Rien qui va. Ici, du coup, à mon compte, là. Ok.
Ouf. Ouais, mais avec la maladie, ça me donne pas envie d'y aller. Date de quand la maladie? 2 ans. Ça doit être en train de disparaître. Lui, il est là. Lui, c'est où, lui? C'est toute cette zone. Toi, t'es où? Toi, t'es là, d'accord. Donc, on va reprendre des forces. Hop. Se mettre là, juste pour refaire un stock de bouffe. On est full. Ah non, lui il l'est pas. Lui ouais, mais lui non. Ah, ça disparaît, c'est bon. C'est bon, ça disparaît, mais on va aller leur péter la gueule alors. Allez. Un groupe qui fonce sur lui. Un groupe qui fonce sur lui. Là. Encore un conseiller qui meurt, putain. Mort de quoi? Apoplexie fatale, voilà, tiens. Ah oui, il y a une baisse de niveau d'un coup, là. Le chien, il était à 31. Ah oui, en plus, c'était même mon commandant, là. Mon maréchal, bah, c'est le commandant, il était bien au-dessus des autres. Ah ben la même, écoute, hein. Bon, moi j'ai un fils. Charles, comme moi. Vas-y, on va l'appeler Charles. Comté d'Auxerre, obtenu. Du coup, voilà, moi j'ai un héritier. Je vais prendre un tutorat. Je voyage, donc je peux pas, ok. J'étais nommé maître de chasse par lui, ça va, il est pas si rancunier que ça. Alors, obtient une courtisane célèbre, vit ici. Waouh! Vous obtenez à payer le service d'une célèbre courtisane et il y a tout le monde qui me fait la gueule. Tous mes autres courtisans me boudent. Vous détendez les archives en votre cour. C'est dinguerie là. Hein. Bon, ben on va prendre ça, hein, aucun effet immédiat, juste voilà. Si vous voulez mon or, venez le chercher. Pas besoin de violence. Prenez mon or. Défi en diplomatie. Allez, ils veulent me racketter. On va essayer de les convaincre. Voilà. Mais du coup, c'est avec mon épouse là. Du coup, toujours malade, consomption. J'ai gagné un niveau de dévotion, je suis quoi maintenant? Parangon de vertu. Et un niveau de gloire, je ne suis qu'illustre par contre. Tous mes pèlerinages, ça m'a rendu bien au niveau de la foi, mais j'ai pas fait assez de guerre. Duc, t'es en Angleterre. Hein. Ça va, j'ai de l'argent en stock là. Je suis en train de foncer sur eux. Alors je vais pas prendre le risque de mourir, hein. C'est qui est blessé? Elle. Sur cette game, le 1% de chance, honnêtement, voilà quoi. C'est bon à savoir. Alors, faire chanter. Ouais, ouais, vraiment, c'est la game sur laquelle... non, hein, voilà. Il
Levons nos verres à la santé de la comtesse. Et voilà. Là, j'ai hérité de nouveaux territoires. Mais mon épouse ne peut plus m'aider assez, hein, ouais, ça. 40. Donc, écoutez, on va garder ça, parce que si mon épouse meurt, je pourrais peut-être en épouser une qui a plus d'intendance. Hein. Bon, déjà, c'est le Vesoul, je peux le donner. Bah, tout Besançon, je peux le donner. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un autre truc, c'était Macon, voilà, que je viens de récupérer. Déjà, tout ça. Baron, qui n'a rien d'exceptionnel. Il y a du beau monde avec moi. Alors du coup, maréchal, vassal et machin. Donc là, il y a déjà un titre, lui aussi. Mon maître espion n'a pas de titre, lui. Si je lui donne, ça va faire bouder dans ma cour. On va donner un vieux, comme on a l'habitude de le faire. On va, ça va pas un bourgmestre, lui. Ouais, non. Idéal, c'est un vieux qui est marié à une vieille. Jourdain, non. Mon courtisan, André de Bordeaux. Ah, mais là, il a une fille, donc non. Idéal, c'est de donner à quelqu'un qui va mourir sans enfant. Et ça. Récupère le titre dans quelques temps. Guylaine de Montaner. Oh. Chiant de devoir toujours attaquer à chaque fois. J'évite les bourgmestres parce que sinon ça fait des républiques. Ah mais putain, vous êtes tous chiants là. Ces vieux célibataires là. Crézac, machin truc. Voilà, t'es avec une vieille. Tu n'as pas de rôle à ma cour. Elle non plus. Donc vas-y, ça va être pour toi. Donne Besançon. Là. Bon, j'ai un territoire en trop. Pour l'instant, on va le garder. On verra. Si mon épouse meurt, il y a moyen que je prenne une femme avec assez d'intendance. Sinon, je pense que je vais garder Macon. Je peux donner ton roi. Hein. Et niveau qualité. Ouais, hein, clairement, ton roi, il y a moins. Est-ce que je m'embête à le garder plutôt que le donner tout de suite? Bref, je vais prendre un petit peu. J'ai un an pour le donner. Normalement. C'est jusqu'au 18 août. Alors, 54%. Alors, il y a lui qui fuit. On va lui courir après. Continuer de courtiser Rosa. Devient votre âme sœur. Vous couchez. Non, je vais pas coucher avec elle par contre. Ouais, ça, je gagne 150 de renommée. Alors, qu'est-ce que mon épouse dit de ça? Il n'y a rien, hein. Ça va. Ça n'a pas plus dérangé que ça. Bon, je suis... Du coup, tant que je voyage, je ne peux pas... Quoi que ce soit. Je vais faire un siège là-bas. Quoi qu'il y a combien de protection. Bon, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop. Donc je peux pas courtiser. Peut-être des vassaux. Ouais, genre lui qui me déteste. Fiancé. Pour une grotte dans le désert, le classique.
d'accord que c'est le territoire ennemi, ça. Hein. Ça appartient à lui, donc oui. J'ai des prisonniers aussi. Bon, vous avez pas foutu au cachot. Bon, ouais. Ah. Ah, putain. De toute façon, il avait obtenu le titre, moi, tant pis. Il est juste d'hériter, alors, lui. Bon, encore un point de diplomatie. Toujours malade. L'inceste de l'émir, eh ben putain. Il termine la guerre là ou pas? Oh putain, c'est encore... Mais putain, mais mes gamins partent toujours en vadrouille, hein, conséquence possible, je vais le retrouver moi-même. Pèlerinage entier de 14 jours. C'est fou, quoi. C'est la troisième fois que j'ai un gosse qui est en train de crever lorsqu'on voyage. Moi, ça veut dire qu'il l'a embarqué avec lui dans le voyage, au moins, voilà. Je perds 150 pièces. Rejoins la cour, voilà. Proche de nous, une rivalité avec vous. Tu te fous de ma gueule. Je t'ai retrouvé dans la pampa, connard. Putain, je vais l'attacher, lui. Hein. Cousin tué lors d'une bataille. Oh non. Ah ouais, non mais vraiment, cette game-là, c'est une dinguerie. Vraiment. Oh, c'est fou, quoi. Si quelque chose peut mal tourner, ça va mal tourner, hein, c'est... Il y passe là, oui. Tac. Allez, on est là. Parce que fini cette guerre, hein. Il peut rester quelques temps. Partez à l'eau, rester quelques temps. 90%, il faut juste finir un siège. Alors, conséquence possible, rien ne se produit. Je réussis, rien ne se produit, je ne fais qu'aggraver la situation, donc dans tous les cas, on va faire ça déjà. Ensuite, là, j'ai rangé quelques livres. Qu'un effet immédiat. Ce coffre n'est pas surveillé, depuis en diplomatie. Hop. Point d'intendance. Bah vas-y, augmentez le contrôle de moi. On est vraiment d'accord que cette game ne se passe pas comme une game normale. Hein. Ça passe des folies. Alliance expirée. Ok, je perds toutes mes alliances, c'est pas grave. Et ouais, hein, ça... J'ai perdu beaucoup d'alliances. On a toujours la Norvège qui est quand même le gros allié. Second 1800. Et c'est plus lui qui m'appelle à l'aide qu'autre chose. Le roi de France, lui, ben, il a plein d'alliances. Hein. Juste ça, oui, c'était complot, du coup il m'apprécie un peu plus, d'accord. Bon, on est à 100%. Et là, je suis... On a trop de monde ici. Donc, il y en a qui vont là. Là, ce siège, il sert plus à rien, mais c'est pas grave, on continue. Je vais dire que la guerre est gagnée. Non, c'est s'il déclare la guerre, et que je, dans tous les cas, la trêve, il n'y a que lui qui peut pas m'attaquer. La trêve, c'est que dans un sens. Il n'y a que celui qui est attaqué qui ne peut pas rattaquer pendant 5 ans. Imagine, Jean-Michel te déclare la guerre se passe, que tu gagnes ou que tu perds, toi tu peux lui redéclarer une guerre tout de suite derrière. Il n'y a que l'attaquant qui a une trêve de 5 ans. Sinon, ça pourrait être chiant, effectivement, tu te dis, ah vas-y, je vais pouvoir attaquer lui, je vais le faire, attends, je fais un truc. Il te déclare une guerre qui est perdue pour un truc à la con et tu te trouves bloqué. Non, ça serait vraiment chiant. Ah, les Jean-Michel, de toute façon, hein, c'est connu. Hein. Vas-y, un peu de rentabilité. Je suis où? Je suis à 40 de rentabilité. Ça me donne un peu plus de prestige.
Ok, elle était en train de chercher là-bas, ne perdons pas plus de temps. Où est-ce que je vais te faire chercher les trucs? Attendez, parce que... Elle sort en pierre, Romain. C'est où la capitale? C'est là. Quelque temps que j'ai pas cherché. J'ai le nerf chat, là. Donne-moi de l'attention, humain! Attends, t'auras tout mal de foot tout à l'heure pour venir remercier sur mes genoux, toi. Laisse-moi tranquille, là. Voilà, disperser tout. Ainsi soit-il. Jusqu'à la fin du mois. Voilà. J'ai tous mes hommes. Bon, on approche du mois d'août, donc je pense qu'on va... On va donner le territoire que j'ai en trop. Mon épouse... Non, c'est mon régent. Consomption, est-ce qu'elle va soigner? Je ne sais pas. C'est correct. Donc, on va donner mon truc en trop. Du coup, c'était Tonneroi que j'allais donner. La ville de Tonnerre. Notre vasse, alors il a déjà été prêt au niveau de la prouesse. Machin, donc chevalier. Maître Carvanier. Bon, on va donner un autre vieux. Allez, hop. Tancred. Marié à une vieille Tancred. Ah, mais c'est mon médecin. Donc, si elle a part, je perds mon médecin. Elle est excellente. Non, bah, je peux garder mon médecin. Donc, désolé, Tancred, c'est à cause de ta femme que tu ne deviens pas comte. Alors, tu fais ce que tu veux de cette info. Benelda. Alors, toi, tu n'as pas de rôle à ma cour. Ta femme non plus. Bah, écoute, tu as un bon profil. Je te donne Tonneroi. Ah, moi, je suis honnête avec mes courtisans. Hein. Il a failli passer à ça d'avoir une dynastie, de pouvoir créer quelque chose. Bon, dans les faits, il aurait fallu que sa femme meure de toute manière pour avoir une descendance, hein, mais elle était trop âgée. Bah voilà, bon, vous pouvez demander de l'or à votre chef de la foi. Bah vas-y. Vas-y, hein, tu considères pas que je suis riche? Ah si, vous êtes déjà riche, mais... Ah, il me surkiffe, le pape! Waouh! Piété... Ah, j'ai fait un truc, là. Qui fait qu'il y a ça, je pense. C'est pas parce que j'ai fait la guerre sainte. Non, c'était il y a longtemps la guerre sainte, donc c'est pas ça. Maison de croisée. Bah ouais, c'est lié peut-être à la guerre sainte. Hein. Ouais, là, l'autre, il me propose 846 pièces d'or. Bah écoute, let's go. Hein. Il est cupide. Pourtant, il est cupide. Trésor assez important. Ah, c'est parce qu'il est pété. Quand il a beaucoup d'argent, il y a ce truc-là. Trésor assez important. Donc quand il a trop d'argent, il a envie de le distribuer. C'est bien, c'est un bel esprit, ça. Bah écoute, je prends. Hein. Ça coûte que 250 de piété et 800 pièces d'or, vas-y. Hein. Franchement... Ah, je vais bientôt pouvoir torturer des gens. On va bien s'amuser. Le fun arrive. Imbécile, je connais les plantes. Heureusement que je suis là. Hein. Ouais, ma grande érudition. Et voilà. On va s'amuser. Alors, j'ai 17 prisonniers. Il y a une chance sur deux à chaque fois que ça me donne des bonus. Donc je pense que je vais pas avoir les 10. C'est pas grave. Toi, ça fait 28 ans que t'es là. Tu te demandes, mais pourquoi on me garde depuis aussi longtemps? Eh ben voilà. Lui, t'es là, t'es arrivé. J'ai 28 ans, t'es là depuis 20 ans. C'est un signe que tu as attendu tout ça. Voilà, c'est... Hop. Torturé. Bon, les autres vont me faire la tête. Hein, voilà, c'est la famille perdante d'opinion envers moi. Hop, c'est un échec. Suivant.
fait 27 ans que t'es là. T'as attendu toute ta vie pour ce moment. Et c'est encore un échec. Ouf, t'es ma gueule. Au niveau des probabilités, je sens que je vais encore bien me faire enculer. Torturer. Ça fait 3. Déjà, c'est un truc où c'est une chance sur 2. 3 fois, c'est-à-dire que ça fait... Vraiment, c'est une chance sur 8. Toi, Vladislav, toi, tu as 18 ans. T'es arrivé en prison, tu avais 1 an. Torturer. Invité, on s'en fout. Voilà, déjà, enfin un point au bout de 4. J'en ai eu 1 sur 4. Alors toi, je t'ai chopé il y a 15 ans, enfin c'est mon père, lors d'un pèlerinage en Inde. Ah mais non, fallait pas l'utiliser ça. J'avais dit que j'allais l'enlever, mince. Fallait pas utiliser tous tes points sur ça, je peux pas rembourser ces trucs là. J'avais dit qu'il fallait que je l'enlève, j'ai juste oublié de l'enlever, c'est... je le trouve pas intéressant ce truc. Écoute, faudrait que je check si je peux te le rembourser. Bah écoute, on va être positif pendant ces 5 minutes, c'est ça, non? C'est quoi le truc déjà? Je me souviens même plus, tu vois, tellement ça date d'il y a un autre temps. Positive attitude, c'est quoi? Nanana, pendant 5 minutes, aucun agacement, aucune colère, aucun gros mot, que la zen attitude. Ouais, ça c'est. Pour un jeu comme ça, ça va être facile, tu vois. Du coup, tu vois, là, je suis déjà dans. En train de leur dire que c'est une bonne chose. Bon. Une petite torture, 60 ans quand même, t'as tenu 16 ans en prison, on a été te chercher jusqu'en Inde, t'as pas fait grand chose de vilain, mais tu vas te rendre utile avec une petite torture. Allez, allez, on en est à 4, c'est la 5e, en plus je perds du stress. C'est bien ça, torturer ça me détend, que du positif. Hop, hey, yes, ça fait 2. On progresse, Jacques. Alors toi, t'avais des sous. Mais tu voulais même pas payer pour sortir. Là, tu... Ah non, c'est d'accord, j'aurais pu juste prendre un hameçon, mais bon, tant pis, écoute, voilà, tu vas te rendre utile, une petite torture, ça, y a personne qui va m'en tenir rigueur. Et ça fait 3, on est sur une très bonne dynamique. Je crois qu'on a eu 3 échecs, maintenant 3 réussites. Au niveau des probabilités, on a rejoint un bon wagon, là c'est cool. Roturier, aucune famille, je te torture, personne n'est dérangé. Hey, 4 sur 7, je suis dans une dynamique de ouf, là. 4 sur 7, suivant, aucune famille, donc personne pour me reprocher que je te torture. Ah, tant pis. Or toi, j'aurais pu te libérer pour 6 pièces d'or. Je trouve ça un peu radin, et du coup, j'ai décidé de te torturer à la place. Tu n'as pas de famille, donc personne m'en tire à rigueur. Ça fait, je sais plus là, c'est le 5e, il me semble, déjà. Donc c'est bien, pareil, roturière, aucune famille, donc une torture ne dérangera personne. On est toujours à 5, c'est déjà pas mal. Hein. Sur 17, si j'arrive à ne serait-ce qu'avoir 7, déjà on pourra dire que c'est une bonne chose. Donc suivant, une torture, hop, ça n'avance pas, c'est pas grave. Ensuite, toi t'aurais pu faire un commandant potable, honnêtement, oui c'est vrai. Mais le destin m'a décidé autrement, tu n'as aucune famille pour me reprocher la torture, du coup, voilà ton utilité. Toi, tu me proposais, tu n'as pas d'argent pour sortir, pas de profil intéressant, du coup, tu vas être utile autrement. Ça va être une petite torture. Ouais, mais c'est incroyable. Super. Alors, toi, 24 ans. Gudrun, machin. Alors, attendez. Ah, mais j'ai la femme du mec qui est en train. Attendez. Il y a un lien là, North Cern Island, c'est pas eux que je fais une guerre là. Il n'y a pas un bail dans le genre là. Attendez, déjà, je me pose la question de. Il me semble bien que les North Sea Island, je suis en guerre contre eux, non? On vient de la terminer. Mais j'avais déjà sa femme en prisonnière depuis tout ce temps et... North Sea Island. Alors attendez, je veux retrouver un peu les bébés, là. Hop, du coup. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce titre? Parce que j'ai été en guerre contre eux 2 fois, il me semble. Hérité par un... Il a été... A été exécuté sur ordre du roi. Ah bah, ça s'est bien passé, la révolte. Il s'est révolté, il a perdu, il s'est fait emprisonner, le roi, il a même pas récupéré les titres. Ça, par contre, c'est un peu dommage que le roi aurait pu récupérer le duché. Il avait le droit à un autre duché en plus, et il l'a pas fait. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, il s'est vengé, il l'a exécuté, très bien. Bon esprit, je trouve. Alors toi, si je te torture, il y a plein de gens qui vont me bouder.
Mais c'est pas grave. Je vais quand même te torturer. Hop. J'aurais pas dû, ça n'a rien rapporté, c'est pas grave. Alors toi, oh putain, le mec, il est malade, à deux doigts de crever. Moi, je vais arriver. Attends, attends. Avant de pousser ton dernier soupir, on va se faire une petite balade, toi et moi. Il dit, oh, ça fait... Je vais redécouvrir l'air frais, c'est parce que vous avez vu que j'étais malade, vous dites, oh, il mérite de sortir pour une dernière fois la lumière. Et non. Et voilà, comme ça, tu me rapportes de l'intrigue. Olvir, toi, t'es là depuis 4 ans. D'ailleurs, il y a un cap, hein. J'ai personne entre 4 ans et 9 mois. Du coup, toi, bah écoute, 4 ans que tu te demandes ce qu'on va faire de toi, est-ce qu'on va m'exécuter, est-ce qu'on va me relâcher, m'embaucher, et ben on va juste te torturer, voilà. Écoute, Et le dernier, alors très peu de famille, tu me proposes 3 pièces d'or pour sortir, mais j'ai un autre projet pour toi, et qui s'appelle Orio Tortura. Voilà, et franchement, on s'est bien gavé là. J'ai eu 5 prouesses. Et, bah, vous voyez, j'ai tout eu. Sur les 17, j'ai eu 10. Donc, pour une fois, les probabilités ont vraiment été super sympas avec moi. J'ai pris tout ce que j'avais besoin de prendre. C'est nickel. On va attendre que les enfants grandissent un petit peu. Parce que c'est quand ils ont 3 ans qu'ils obtiennent ce truc-là, là, préparé à régner. Donc, dès lors que j'aurais pas plus d'enfants en dessous de 3 ans, je pourrais réinitialiser les atouts et comme ça reprendre d'autres trucs, parce que ça me sert plus à rien, ça a bien rempli son rôle. Je pense que ce qu'on va faire, j'ai de la thune pour ça, je suis jeune, c'est que je vais continuer en intrigue jusqu'à avoir un dernier point. Avec 3, je prendrai un ravisseur, comme ça je pourrais kidnapper des héritiers avant qu'ils héritent. Et les marier à des gens de ma dynastie en matrilinéaire, si je marie des héritiers mâles et tout comme ça, ce qui me permettra de mettre ma dynastie un peu partout. Je pense que ça va être ça le plan. Et voilà, on prend un troisième point d'intrigue. Ça, cela, on va les enlever. On met tout là. Pas besoin de plus. Après, je me mettrai peut-être en érudition pour avoir une santé plus forte, pour essayer de vivre longtemps. Allez. On en était où, nous, là? Du coup, on est en phase de paix. J'ai perdu des... J'ai encore un bâtiment inactif, là, dans ce que j'ai obtenu, Macron. Ah oui, c'est inactif pour l'instant. Et salut, emoji perdu! Comment s'est passé ton vendredi? Est-ce que tu as la chance d'être en week-end? Hop! Ah, le son, ils l'ont mis un peu fort, là. Bon, on va y en avoir quelques-uns, oui. C'est vrai qu'on a torturé quelques personnes. Je sais pas pourquoi le son, ils l'ont pété d'un coup comme ça. Tu peux me donner tous les conseils que tu veux, oui, bien sûr. On est toujours là pour apprendre. Une faction qui vous ciblait a été dissoute. Oui, ça va. Une faction pour la liberté, je veux être libre. Oui, bon, quoi. Et contre mon seigneur. Ah oui, c'est vrai. Attends, je confonds. Oui, c'était toi qui m'avais dit la dernière fois déjà. Alors. Bah écoutez, ouais, bah on attend. On va aller jusqu'au pèlerinage. Hein. Rien d'autre à faire. On a torturé tout le monde. Hop. Avançons. Vite d'un domaine. Mais ça, je l'ai tout le temps maintenant, cet event. Vite d'un domaine local. On est d'accord que je l'ai déjà. Ah non, c'était la grotte, c'est pas la même chose. Ah si, c'est ça. Bah, je l'ai encore pendant 4 ans. Alors, c'est bien de les prendre. En fait, c'est bien de les prendre jeunes. Ça, je suis d'accord. Mais tout comme le truc, c'est que cet arbre-là, il est aussi over-cheaté. Parce que dès que t'as à prendre sur le tas, il y a moyen d'avoir plus 5 ici, plus 5 ici, plus 5 ici, plus 5 ici. Donc c'est bien de le prendre jeune, parce que plus t'es jeune, plus forcément ça fait sur la durée. Mais là, mon perso, il a 28 ans. Donc même si je vise cet arbre-là, que je le commence à 30 ans, je l'aurais rempli. Et bon, c'est vrai que... Mais moi, je veux cet arbre-là, de toute manière. Pour moi, c'était la priorité, c'est ce truc-là. Ne serait-ce que pour avoir les failles juridiques, si je veux
pouvoir acquérir des trucs pour moins cher qu'en passant par le pape, et puis apprendre sur le tas, il est overcheaté comme truc. Mais oui, c'est ça, le truc c'est que il faut avoir 8 points et 9 points pour avoir les deux trucs qui te boostent la santé. Là c'est bonus moyen, et là c'est moyen aussi je crois, voilà. Parce que cela c'est que contre les maladies, donc ils sont... La maladie, voilà, oui c'est un bonus, mais bon... C'est pas un bonus permanent, on va dire. Mais il y a le connais-toi toi-même, qui si tu as 3 points métissi peut être utile pour... préparer ta succession, même si qu'on l'a vu mais avec le perso d'avant, hein, il est mort jeune, rien à voir avec la vieillesse et tout ça. Ça, moi j'en ai aucun besoin. Ah, celui-là un petit peu, ouais, mais... Ça aussi, il peut être utile si à un moment tu te dis, c'est bon, j'ai assez de gosses là, pour pas avoir un héritage trop divisé. Donc c'est pour ça, j'ai quand même préféré prendre celui-là, parce que déjà, pédagogie, je m'étais dit, si j'ai des gosses, alors la pédagogie, c'est très utile pour qu'ils soient de meilleure qualité mes enfants, ça leur donne des points supplémentaires. Ça je m'en fous je crois. Voilà, ça me donne de l'érudition, là ça augmente le développement comptable, donc je suis toujours dans ce mode là. Et ça bon, c'est tant que je suis pas chef de foi malheureusement, ça ne sert pas à grand chose. Donc ouais, je sais que cet arbre là de base, il peut être visé en premier, si jamais tu veux vraiment vivre longtemps avec ton perso. Mais je me dis, allez je suis assez, j'ai pris le perso assez jeune, tu vois j'ai 28 ans. Et j'ai tellement voyagé que j'ai bien rempli mes armes, et qu'à voir, hein, c'est toutes les visites que j'ai faites à 28 ans quand même. Il a pas mal voyagé mon perso, et encore j'ai même pas pris l'érudition et ce truc là, il y a encore ça à faire, Jérusalem et ça. Ah, il y a eu 2 constructions qui ont été faites ici aussi, là. Elles y étaient pas avant. Ah tiens, j'ai une nouvelle capitale en Écosse également à visiter, très bien, très bien. Ouais, ouais, ouais. Et avec le stress, il faut penser à mettre les espaces. Mais le stress, ça va, mon perso, il a... avec la diplomatie, justement. On passe ce truc-là, confident, moins 5% de stress à chaque ami. Une fois que t'as 5 amis, ça fait moins 25%. Il y a plein d'autres petits bonus par-ci, par-là, qui sont chopés quand tu voyages et tout. Mais du coup, niveau stress, ça va. Il y a, de toute façon, ce qui permet de jauger le stress. Alors, si je fais réinitialiser, ah, quand même 96. Donc, quand même, il doit avoir des... Ah oui, ça, c'est la prise de stress. C'est ça. Faut pas confondre la prise et la perte de stress. Et là, c'est quoi ici? Ah, c'est la prise de stress, moins 5%. J'ai bien 5 amis en vie, hein. Normalement, j'en ai 6 même. Ouais, c'est bon. Hop, allez. On voyage. On en est où de notre trait avec le roi de France? 22 jours, juste après mon pèlerinage, pour enclencher la guerre. Bientôt l'heure pour moi d'arrêter, hein, il est bientôt le match. Influencer, lui... Ah, il est en pleine guerre, lui. Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Revendication, attaquant, défenseur... Ok, il se fout sur la gueule, mes vassaux. Intéressant. Bah, j'espère, hein, pouvoir la faire, cette guerre. On verra. Il me faudra que je me crée des alliés. Enfin. Je crois que j'ai une amitié avec mon maître caravanier. Ou la 50 de piété. Ou... je vais prendre la piété. Hein. On fait un pèlerinage, c'est pour la piété, de base. Eh ben, ma mère m'a obtenu 310 pièces d'or. Alors c'est lui, le bourgmestre, bien sûr. Ok, merci. Elle a rançonné le bourgmestre, je crois, surtout. Alors, le Ducadi Ali, on s'en fout du Ducadi. Ton profané. Plus d'opinion du clergé. Ah ouais. Ah, j'ai un vieux PC portable, c'est le... Sur le tab, le truc machin, c'est le clic droit qui pourrait. Clic gauche, du coup, qui peut rester enfoncé, donc c'est un peu la merde, je comprends. Saint local patronné, on s'en fout. Donc là, j'ai de la piété, le pèlerinage devient plus pieux. On en est où du pèlerinage? On en est que là. 19 de stress, que je suis zélé. Payé pour ça? Non, je vais pas payer pour ça. Du calibre, moins 10. Acceptation culturelle, galicien. Alors, on se aime pas beaucoup de toute façon en Galice, donc bah les couilles. Hop!
Maître espion secret découvert. On fout de ça. Arranger un mariage. Ah, allez, qu'est-ce qu'il me propose encore là? C'est quoi ça? Fille de la reine Naga qui épouserait une courtisane de 31 ans. On a l'héritière de rien. J'avais même pas vu que lui. Ah bah c'est parce que l'autre est morte en fait. Non bah non. Ah il était laide. Je pensais qu'elle l'était aussi, je voyais sa tête, je me disais bah, elle est hideuse, mais non, autant sa mère l'est, autant elle l'est pas. Sauf que honnêtement, avec son visage comme ça, je pensais qu'elle l'était. Non, je trouve pas ça intéressant pour lui, donc non. Par contre, ouais, on va s'organiser les petits mariages là, c'est le moment. Hop, donc, ma dynastie. Les non-mariés, les hommes. Mon cousin, mon courtisan... Ça va être un peu jeune pour marier mes enfants, faire des alliances par contre. Mais toi, là. Hop, on prend tout avec revendication solide. Est-ce qu'on peut aller te chercher un titre pour la dynastie? Tu es un Luxembourg, t'es pas un Carolingien. Donc c'est la dynastie, mais pas la maison. Et non, il y a personne. Bah, attends, les femmes, c'est plus compliqué. Hein, donc, là, je peux le faire épouser ma tante. Ok, non, bah, y a rien. C'est revendication solide. Puis, on va chercher des traits héréditaires, alors. Ouais, un petit bourg. Bah, en Norvège, ça sert à rien. Attendez, sinon. On enlève ça au niveau du rang. C'est déjà ma maison. En Galice. Je serais marié, donc. 31, 33, ça c'est anglais. Bah, ça rapporterait quelques points s'il est marié à elle. Au final, ça ferait un bourgmestre par mariage. Ça rapporte quelques points. 33 ans. Qu'elle est dessus, ouais, bah ouais, écoute, je ne sens pas à qui le marier, ça va être elle. Hop, allez. Hop là, mon cousin. Déjà fiancé, oui, je l'avais mis avec la vieille, là. Je pensais qu'elle mourrait avant, je suis désolé, mec. Et les femmes, 51 ans, bah du coup, ma tante, effectivement, donc... Il n'y aura pas d'enfant, là. Hein. Hop. Rang, pareil, je peux la foutre avec un bourgmestre. 44e, alors c'est où, ça? T'es où, toi? T'es là, je peux me marier à ce bourgmestre-là, bon, 54 ans... 51. En Cologne. Cologne. Je suis déjà allé à Cologne. Ok, donc c'est cela, bah... Célibat ne veut pas avoir d'enfant. Bah, de toute façon, à son âge, tu sais... Je crois qu'elle comptait plus trop en avoir. Hein. Mais d'accord, qu'il n'y a aucun de ma dynastie au-dessus de lui, ouais. Là, c'est dans le Saint-Empire. Toi, t'es où? Si, t'es ok. Non, bah voilà, ça va être avec lui. De toute façon, ça va rien de te garder à ma cour. Donc, vas-y, ça va faire quelques points. Hop. Pas carolingien. Les femmes. Et là, c'est exactement ça. Alors, c'est de la génétique. On va prendre celles qui ont des traits héréditaires pour les marier avec d'autres traits héréditaires. Genre là, bon, c'est une roturière. On va peut-être s'occuper des hommes d'abord. Hop. Ces messieurs, alors là, on a un génie. C'est pas dommage qu'il ait pas de gosse, le génie. Même si tous ses enfants ne le sont pas forcément. Hop, fertile, avec les traits héréditaires. Hop, Tom. La petite jeune. Alors déjà, est-ce qu'il y a une génie à épouser? Première chose à regarder. Non. Déjà, ça c'est réglé. Ensuite, on a, du coup, je me le mettrais bien avec ma courtisane, là. Puisque je la trouve. Voilà. Elle. Ça. Hop. Petite chance qu'il nous fasse des beaux enfants. Alors, tough, trouver quelqu'un de vigoureux.
vu que tous vos enfants sont vigoureux comme ça. Ah mais c'est ça, c'est, on fait de l'élevage, hein, c'est de l'élevage de champions, hein, comme, comme Girou. 31 ans, 33 ans, 54. Alors, laquelle vous appréciez le plus? C'est vous deux, vous m'appréciez beaucoup. Non, bah t'es français, donc au moins au niveau de la culture, hein, c'est pour s'entendre. Ok, les autres n'ont pas de bons gènes, donc pas d'urgence à les marier. Toi, c'est trop tard pour les autres, ok. Bon, bah je vais pas faire plus de mariages que ça. Mais du coup, moi contre le roi, je vais pas avoir beaucoup d'alliances. Hein. Donc, faut pas que lui soit en guerre à ce moment-là. Comment ça? Et tu m'expliques pas comment les cathos et musulmans te détestent? Ah oui, j'avais pas vu le me à la fin de musulman. Parce que t'es quelle religion du coup, toi? Dague, je m'en fous de la dague. Allez, là, je deviens plus pieux. Moi, je pense après cette game, pendant... C'est bizarre de me faire visiter une grotte. Enfin, c'est bien, je pense que dans quelques temps, je vais pas... Bah non, pas du tout. Parce que là, le retour, dès le retour, tu peux déclarer une nouvelle guerre. Donc, il n'y aura pas de problème. C'est que pendant le voyage aller que tu peux pas déclarer de guerre. Ouais, je voulais checker. Là, c'est... À explorer une grotte dans le désert. C'était un Steven, je l'ai tout le temps, maintenant. Explorer une grotte dans le désert, je l'ai encore pendant 4 ans. Ouais, je vais prendre ça, hein. Ah, ma sœur a péri. La variole. Seulement 19 ans. Son mari était déjà mort aussi. Elle a même pas eu le temps d'avoir deux gosses, ça par contre c'est chiant. C'est-à-dire qu'on a perdu le... On a même pas chopé le duché de S. Ah, mais ça c'est nul. Ah, t'as le DLC pour mixer les cultures. Ah, j'ai pris aucun DLC, hormis celui sur les Vikings. C'est le seul qui avait un prix acceptable pour son contenu. À mes yeux. Alors, je paye 5 pour avoir 52. Je paye 10 pour énergie un plus vieux. Elle n'a pas l'air authentique. Regarde vif, allez, vas-y. Elle n'a pas l'air authentique, ta merde. Ça, là. Les cultures hybrides, quand tu peux prendre le meilleur de chacune, tu peux faire des dingueries. Ouais, ça, c'est clair que pour le coup. C'est le seul truc qui m'intéressait dans ce DLC, mais voilà, même en achetant une clé sur un stand gaming, pas trop cher, c'est une façon de voir les choses. Moi, je suis un joueur économe, hein, pour moi, ça reste cher, les DLC, quand ils sont à 15€, pour le contenu qu'il y a. On va dire que j'ai déjà 90% du jeu sans ces DLC, alors que le jeu, je l'ai acheté même pas 30 balles, quoi, donc... Non, pas les gros DLC, hein. Royal Court et Tour and Tournament, ils sont à 13 et 17€, je crois. Un peu pieux, je paye, non. J'ai pas envie de payer. Parce que j'ai déjà atteint le niveau 2, j'atteindrai pas le niveau 3, donc non, pas du tout. Et voilà, pèlerin déterminé, bon, ça c'est bon. J'ai obtenu que 262 de piété. C'est pas cher payé. Ok, bah on est sur le chemin du retour, là, ça y est. Vous pouvez déclarer des guerres. Je vais attaquer le Saint-Empire. Alors, qu'est-ce que ça dit, la France, là? Déclarer des guerres. Revendication au Royaume de France. Je peux faire la guerre pour le Royaume de France, ça y est. Ça y est. Je sens qu'il va être l'heure d'arrêter, là, hein. Alors, du coup, nous, notre voyage, on est encore pour 4 mois. Okay.
On visite un truc là-bas. Là, qu'il n'y a pas de maladie, je crois, là où on est. Épidémie, c'est bon. Donc là, ouais, on peut en arriver à... Ah ouais, bah écoute, hein, non, mais on va l'enclencher, mais on n'aura pas le temps de la finir, cette guerre. Hein. Hop. Allez, bah du coup, c'est bon, on va pouvoir s'y lancer. J'ai mes revendications. Est-ce que je peux acheter d'autres revendications? Je sais plus. Attendez. Une fois que je suis roi, je crois que je peux plus faire le truc de... Ah merde, on a les dents, un royaume qui existe là. Bon, de toute façon, il n'y a aucun royaume intéressant. Ah si, genre... Je peux plus faire ce truc une fois que je suis roi, je crois. Acheter une revendication sur le royaume. Je crois que ça, ça marche plus. Non mais je peux plus m'agrandir, Moji perdu. Je fais déjà, j'ai déjà 30 comtés et si j'augmente, ils me disent non, ils m'enlèvent 5% de revenus parce que mon pays est trop grand. Donc maintenant, j'ai plus le choix. Faut que je devienne roi. Point. Mais il me semble que ça, je peux plus le faire dès lors que je suis roi. Donc c'est peut-être le moment d'aller, au cas où on vive assez longtemps, viser un autre royaume. Bon, ça, ouais. De toute façon, moi, le but, c'est de devenir roi de France. Et après, j'aurai fidélité au Saint-Empire romain, comme ça. Déjà en dessous, et puis on va grossir, grossir, jusqu'à devenir empereur à notre tour. Ce sera exactement la même chose que j'ai faite avec la France. Donc, ouais, et puis après, voilà, c'est que 1000, donc... Non, je suis pas empereur, je suis duc. C'est pour ça que je vais attaquer le roi de France pour devenir roi de France. Aragon, alors ces trucs là ils existent. Ça bah je le crée à moi-même, ça n'existe pas. Ça j'ai déjà une revendication dessus. La Frise ça n'existe pas. Le Danemark. Ça moi j'ai France et Lotharingie. Donc si je veux un autre royaume. Pégal n'existe pas. L'Écosse, l'Angleterre c'est compliqué. Les Balèzes. Le Danemark, t'as quoi comme puissance? Ah, quand même, avec ton allié. La Croatie. Ah ouais, peut-être pas viser le Danemark. Quoi, en termes de puissance, 3000 et tu es allié. Ouais. Mais je dis, ouais, peut-être viser un petit royaume, là. Ah, ça, niveau malchance. Et oui, c'est ça le but, c'est que j'ai pris la dynastie qui, en 1066, il y a plus qu'un comte. Il y a un comte avec un comté en 1066. Donc ouais, on se prend un petit royaume ici, là. Je suis sûr qu'il y a des bons territoires en plus dans le coin. Royaume, la Galice. Attendez, bah ça, il faut regarder. Si j'ai ce truc-là... Ah non, mais ça, c'est... Attends, il est pas dans la... Il est pas dans la vie... Ouais, c'est chiant, c'est pas dans la vie principale. Ça, c'est nul. Ça, c'est pas dans mon truc. Ouais, regardons ce qu'on va choper. Mais ça, c'est vrai que c'est dans la ville à côté. Donc ça, c'est nul. C'est pas au bon endroit. Propriétaire de cette propriété. Ah si, le propriétaire de ce comté a quand même plus 5. D'accord, donc d'avoir ce comté, c'est utile. Ah, avec... c'est Ryurik, je crois. 167 à Kiev. Donc ouais, ce truc-là va vachement m'intéresser. Donc c'est quel royaume? La Galice. Allez, je vais prendre une revendication sur la Galice. Comme ça, c'est fait. Revendication fragile. Faut pas demander une revendication solide, hein. Non. De toute façon, j'ai pas le droit à des revendications solides. Donc, là, on verra ce qu'on prendra plus tard. Et on va juste l'enclencher, la bataille, hein. De toute façon, on est prêt, là, hein, maintenant. Il n'y a plus de... Parti pour la bagarre. Nos armées sont prêtes. Hop. Un secret dans un jour. Je sais quoi le secret. Le duc Hermann. Je vais monter. Voilà.
Il est malade, biche. Peut-être perdre mon prince évêque. Tac. Bon, le roi de France, est-ce que tu me donnerais pas ton royaume? Alors, t'es allié à la Flandre, mais ça compte pas. T'es allié au Powys, donc il y a le Powys qui va venir t'aider. J'aurais dû assassiner ce mec. Ça va régler le truc. Déclarer la guerre. Revendication. Royaume de France. Et puis voilà. Ce sera bien suffisant. Hein. Obtenez le titre contesté. Vous devenez indépendant, vous êtes royaume de France. 300 de gloire. Machin devient de mes vassaux. Donc une fois roi, on fera une petite fête pour fêter ça. Allez, c'est parti. On va rouler sur la capitale. Hein. La logique. Tout cela va. Alors, vous pouvez appeler des membres de votre maison. Ah! Donc ça, c'est gratuit en plus. Hop! Ensuite, vous pouvez appeler des alliés à la guerre. Il est disponible. Vas-y, viens. Roi de Norvège. Ah, c'est cher quand même. Je peux faire sans lui, mais... Donc l'autre, final, je vais piquer les armées, donc je vais être bien assez fort. C'est cher, un roi, hein, 350. Je vais même pas l'appeler le roi de Norvège. Il a déjà assez de problèmes dans son coin, j'ai l'impression. Pourquoi tout ça, là, côté de Valois? Ah oui, c'est le bordel en Aquitaine, là. Ok. Bah allez, je crois qu'on est bon, on est parti. Allez. La bagarre. Ah, il y a le roi là-haut. Du coup, changement de plan! Ah merde, je peux pas. Bon, bah, tu t'en sors bien. Nous, c'est ça, autant l'économiser. Hein. Attends, on l'utilise comment? Bref, après, mourir avec beaucoup de prestige. Ah bah si, puisque je fais devenir chef de la culture française, donc c'est bien d'avoir ça pour rajouter une tradition. Alors lui, pouvait être précieux. Non, on risque. Bon, bien manger ce soir. Pas aujourd'hui. Alors, du coup, on va se split aussi. Alors là, on peut envoyer des hommes ici. Donc, marre de pas trop nombreux. Alors, je fais un split en deux, et du coup, ouais, nouveau, split en deux, avec un qui va là, un qui va là, voilà. Qui va sans doute aller vers ma capitale, là. Alors, Rochko. Ouais, on va arrêter là, on a enclenché la guerre et on va la faire, on la fera demain dans l'après-midi. Merci de me le signaler. Ça veut dire que mon ordinateur a un petit temps de retard. Parce que moi, tu vois, attends, je vais te dire 58, 59, 20h59 maintenant. Du coup, c'est qui lui? Un courtisan tout pourri. Juste, il avait ce trait là. Ouais, je peux le foutre en prison. Après, j'ai plus besoin de torturer les gens maintenant. Hein, donc, on va révéler son truc. Ah, on a découvert un moulin avant. Bah, attends, juste par curiosité, où est-ce qu'il se mêle? C'est quart de finale de l'Euro. Du coup, je suis rarement le foot, mais là, bon, il y a grande compétition. Du coup, attends, et c'est quoi qu'il a trouvé, déjà? Ah, c'était ça, les moulins à vent. Je peux construire des trucs là. Alors, est-ce que je peux construire des bâtiments? Oui. Hein? Attendez, j'ai le droit à un bâtiment de plus? Mais d'accord que c'est ça qui m'a... Ah oui, emplacement de bâtiment supplémentaire, plus un. Ah bah écoutez, je vais pouvoir construire de nouveaux bâtiments, on aura encore plus d'hommes. Eh bah du coup, moi j'arrête là, comme je l'ai dit, un stream court aujourd'hui. On a atteint l'objectif de pouvoir lancer une guerre, déjà. Déjà, rien que ça, c'est déjà une perf. Hein, c'est toutes les merdes qui nous ont tombées dessus. On a un perso qui a 29 ans. J'ai un héritier mâle qui est intelligent. Donc tout va bien, tout va bien.
On va rentrer à la maison. Une fois que ce sera fait, on va courtiser de nouveau pour regagner de la renommée. Puis ça viendra. De toute façon, on a toujours... La Poméranie, c'est toujours... Oh putain, la Poméranie a disparu. What? Qu'est-ce qui s'est passé? La Poméranie! Le roi! On avait un roi ici! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux, ma dynastie. Putain, il a tout perdu, ce con! Je règne désormais sur le royaume de Poméranie. Ouais, bah il manque quelque chose, là! Qu'est-ce qui s'est passé? Historique du titre. Détruit. Mais genre, alors ça, je comprends pas. Là, je comprends pas, regarde. Il a hérité ça. 12 jours après, il a détruit le titre. Sachant que ça, c'est quelque chose d'impossible pour nous. C'est-à-dire qu'il est roi, il a détruit son royaume. Nous, on n'a pas cette possibilité de détruire. Si on est roi et qu'on n'a qu'un seul type de roi, on ne peut pas détruire notre titre. Tu ne peux pas détruire ton type principal. C'est genre, si j'avais qu'un seul duché, je pourrais pas faire détruire le titre. Tu vois, impossible de détruire le titre principal. Donc là, il était roi de Poméranie et il a pu détruire son titre. Donc, déjà, ça n'a pas de logique technique. Parce que, t'es roi, à quel moment tu détruis ton truc? Mais en plus, même, l'IA fait des choses qui nous est impossible à nous. Et ça, pour moi, c'est pas normal. C'est pas la première fois que je vois un truc dans le genre. Putain, on a fait une guerre sainte pour lui. J'ai fait une guerre sainte où j'étais le meilleur contributeur pour lui donner ce putain de royaume et lui, il a tout niqué. Oh, putain. Y a que s'il y a une faction pour dissolution où ça détruit le titre. Il y a une faction de dissolution, d'accord, mais en 12 jours, une faction de dissolution, non. Là, c'est 12 jours, c'est pas possible. Enfin bref, ça fait chier parce que je gagne moins de renommée du coup. Hein. Ouais. Putain, on a qu'un roi par mariage, je sais même pas c'est qui le roi par mariage. Je sais même plus où j'ai placé quelqu'un pour un royaume. Je sais même plus où est-ce que j'ai un royaume que je vais prendre là. Non. Bon allez. Comme dit, bonne soirée à vous et je vous retrouve demain après-midi pour notre conquête de la France. Non, pas en Espagne. Hein. Non. J'avais pris des comtés, mais... comment on peut checker ça? Attends, c'est simple, hein. Allez, tant pis pour le... Alors, du coup, c'est pas un dirigeant, effectivement. Ma dynastie. Hop. On va partir du principe que c'est une femme. Hop. Alors, c'est simple, là. Celui de voir celles qui ont des couronnes sur la tête, là, c'est une duchesse, reine. Ah bah oui, la Norvège, bah oui. Bah oui, évidemment. La Norvège. Ma sœur, je l'ai foutu... la tronche. Par contre, ces enfants... enfants maladifs... Mort de consomption... Ah ouais, du coup, le royaume de Norvège va être perdu, hein. Si t'arrives pas à avoir un fils... avec consomption. On va tout perdre. Hein. Parce que là, du coup, elle va crever, il va faire des gosses avec une autre, il aura des garçons, et puis le royaume de Norvège, on va le perdre, quoi. Et même le duché, on va tout perdre. Oh, bah écoutez, hein. C'est à un moment, j'ai posé mes billes, ça a pas fonctionné, tant pis. Je file, bonne soirée à vous, ciao. Et merci d'avoir été là.